Bonjour à vous et merci de votre présence. Comme convenu, justement, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais vous partager dans celle-ci, cette nouvelle vidéo, un message que j'ai canalisé il y a quelques jours, en fait, donc pour vous accompagner durant cette année 2024. Voilà. Donc c'est un petit peu particulier à nommer de cette manière-là. C'est un message de la source. En fait, c'est un petit peu un défi. C'est parti d'un défi avec un guide qui, avec qui est-ce qu'on a échangé et qui m'a dit, eh ben, non seulement tu peux le faire, tu vas le faire, et voilà, qu'est-ce que tu vas canaliser. Comme ça, c'est réglé, quoi. Ok? Voilà, on va placer la barre direct. Au top level, parce que de toute façon tu le fais déjà, donc là tu vas le faire pour le collectif, ça va être fantastique, et on va taper direct au sommet de la montagne, tu vois. Voilà, c'est parti un petit peu d'un défi comme ça, et donc j'ai dit ok, vas-y, on y va. Et puis voilà, toutes les conditions ont été mises en place pour que justement ça puisse se faire. Et donc voilà, donc c'est un message de, alors, la source. On peut dire Dieu, on peut dire la lumière, le grand architecte. Vous y mettez le mot que vous voulez, vous y portez la caution que vous voulez, bien entendu. Hein, ça résonne avec vous comme ça résonne avec vous, ou pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation à croire en quoi que ce soit, de toute façon, de ce que je peux partager là. Donc voilà, c'est pour moi, ça vient du cœur, ça me fait vraiment plaisir et j'ai très envie de vous en partager encore plus. Donc voilà, c'est le premier de l'année. C'est pour l'année, justement, donc allez, j'y vais, j'arrête de vous faire languir. Voilà. Message de la source pour vous accompagner durant cette année 2024. C'est le titre en même temps de la vidéo, normalement. Si je suis arrivé à tout rentrer dans le titre, normalement, vous avez un truc comme ça. Ok, c'est parti. Donc, il est écrit, hein, je le dis, hein, j'ai tout écrit, donc il y a un moment où est-ce qu'on parle de ce qui est noté, en fait, donc c'est parce que j'ai tout écrit. Bon, je vous fous la paix avec mes conneries, c'est parti pour la transmission de messages. Vous avez vu comment c'est pas facile de se dépasser des fois, pour des trucs, des broutilles, hein, voilà, hein, le mec il est thérapeute, il bosse sur lui depuis plus de 30 piges, etc., il a accompagné trop de monde. Il parle avec des présences de dingue, etc. Mais il est là à se dire, ouais, c'est vachement dur quand même de transmettre un message comme ça en vidéo au collectif. On a tous nos épreuves dans la vie. Bon, je vous aime. Allez, c'est parti. Très cher vous êtes ma création, mon expression, mon reflet, ma vérité, ma lumière. Comprenez que sans vous, je ne suis pas, car vous êtes moi. Je ne suis pas ailleurs, je suis en vous, et si je m'exprime à cet instant, c'est à travers vous et l'ensemble de la création que vous nommez univers. Je ne suis pas une chose inaccessible, car si tel était le cas, votre existence n'aurait aucun sens, car vous seriez inaccessible à vous-même. Je suis votre plus profonde expression. Nous sommes la créature, le créateur et la création. Je suis partout et nulle part à la fois, car comme vous, je suis aussi juste là. Ce temps que vous vivez durant cette année est, comme toujours, un mouvement perpétuel d'évolution. Dans l'expérience globale qui se joue sur votre plan, le principe d'unification est la seule issue. Certains prennent leur temps, d'autres sont pressés. Il en est qui sont arrivés au bout de ce chemin. D'autres marchent encore dans une sérénité enthousiasmante et inspirante. Comprenez, l'expérience qui se joue ici est fractale. C'est un peu comme si vous observiez votre existence au travers d'un kaléidoscope. Chaque fragment est une expression. Elles peuvent provenir de vous comme de quelqu'un d'autre,
mais cela reste vous. À ce stade de l'attention, tout est séparé. Et l'on peut chercher longtemps à définir qu'est-ce qui est acquis, pourquoi, comment, etc. Les frustrations générées par cet égarement sont tellement nombreuses qu'il faut bien des incarnations pour toutes les explorer. Voilà des millions d'années que vous les explorez. Vous, d'autres, tous ensemble et en même temps. Il n'est de limite à l'expérience si ce n'est celle que le Créateur décide de s'instaurer. Vous êtes ce Créateur. En ces temps, certains inspirateurs vous parleront de changements économiques, politiques, de guerre, de paix, de famine et de conditions sociales. D'autres vous parleront de lumière, de dimension qui s'étend, d'amour, de joie, de partage et de considération de soi. Ce qui vous inspire, ce que vous préférez suivre, correspond à la considération que vous avez de vous-même. Sous le spectre, le regard de ce kaléidoscope, la condition fait loi. L'un brille à condition que l'autre s'éteigne, et s'il s'éteint, alors un autre pourra briller, etc., etc., etc. S'il n'y a plus la guerre, alors la paix peut exister. Si la paix n'existe pas, c'est parce qu'il y a la guerre. S'il y a la guerre, c'est à cause de l'argent. Mais s'il n'y a plus d'argent, le monde que nous connaissons disparaît, etc., etc., etc. Cela fonctionne pour tout, pour l'œil évoluant au sein de ce kaléidoscope. Si vous demandez « mais comment faire ?» à la lecture de ces notes, la réponse se trouve là où vous portez votre regard, votre attention. Vous regardez là où vous estimez votre condition. C'est un peu comme si vous vous pesiez et que vous décidiez par conformisme de vous ranger dans telle catégorie. Voyez alors en quoi vous choisissez de vous limiter, de vous réduire. Puisque le temps ne dure qu'un instant, observez dans cet espace en quoi vous décidez de vous réduire. Et alors, peut-être que l'instant d'après, vous pourrez savourer la joie d'avoir grandi. Peut-être pourrez-vous savourer le plaisir de vous sentir plus léger. Peut-être pourrez-vous porter votre attention à la lumière qui illumine votre kaléidoscope, sans laquelle aucune facette ne serait visible. Alors peut-être, en vous soulageant de vos réductions, vous vous expandrez jusqu'à vous confondre dans cette lumière qui n'est nulle autre que vous, moi, nous. En ces temps 2024, l'indulgence est porteuse de plus de légèreté. Vous êtes dans un espace de pionniers, tout comme à d'autres temps, il existe des premiers. Vous êtes tous de ceux-là. Pour vous aider, posez-vous dans l'instant la question face à votre sentir. À quoi est-ce que je me limite? À quoi est-ce que je me réduis? Cela sans doute vous accompagnera sur votre chemin. Avec tout mon amour et la joie de communiquer ainsi avec vous, moi, nous, je vous remercie. Voilà. Merci. Je vous invite à peut-être la réécouter plusieurs fois, j'en sais rien. Bref, c'est ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie tout ce qui a été mis en place pour faire cette canalisation, je vais en faire d'autres. Je peux même aller, si vous avez envie que je canalise avec, je sais pas, une fréquence en particulier, dites-le en commentaire, pourquoi pas. Pourquoi pas, on peut aller chercher des infos aussi de cette manière-là, ça peut être super, super fun. Voilà.
Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. J'espère que ce message vous parlera, vous apportera plus de lumière, justement, vous aidera sur votre chemin, que je vous souhaite le meilleur qui soit. Voilà. Que la lumière vous guide sur votre chemin. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Vous pouvez liker, partager, commenter avec grand plaisir. Merci, merci, merci. À très bientôt. Je vous aime. Ciao.